pas d'Indiens ici, non. Mais si ça se trouve, les Indiens rigolos ont disparu depuis longtemps. On ne sait même pas s'ils ont existé, après tout. Les prouvettes affirment qu'ils vivaient du temps de Mathusalem. Mais depuis le temps, ils sont probablement tous disparus. Oh, j'aime bien les prouvettes. Aïe! Mais il n'a pas le sens des réalités. Oh, je sais bien que c'est de ma faute, que quand ils m'ont proposé cette mission, ben, j'avais qu'à leur dire non. Non. Oh, quel crétin. Oui, enfin, c'est trop tard. Ouais. Enfin, tiens, oh, ça recommence, que comme tous les soirs. Oh, quel curieux pays. C'est la première fois que je vois des nuages comme ça tournent. Oui, ben, ça suffit. J'en ai assez des paysages de l'Oronie. J'abandonne et demain, je retourne à Saint-Innocent. Et en attendant, je vais me coucher. Où Katie? Je vais m'en aller d'Oronie et retrouver Saint-Innocent. Oh! Mais on dirait... Mais oui, c'est une pirogue indienne. Une pirogue rigolo. Mais alors... Mais oui, son propriétaire doit pas être loin. Pardi, allons voir par là. Oh, ça vient de par là. Il doit être blessé. Faut que je lui porte secours à ce malheureux. Bon, j'avais raison. C'est bien un Indien rigolo. Je le reconnais à sa plume. Oh, le malheureux. Oh, ben, c'est sûrement un coup de soleil. Ça ne lui serait pas arrivé s'il portait une casquette comme moi. Oh, pauvre Indien rigolo. Je vais te soigner, moi, à l'aspirine. Ce qu'il faut, mon vieux, c'est de l'ombre et du repos. Et si je le guéris, il m'emmènera peut-être chez lui, et qui sait. Au boulot. Je comprends rien à Charavia. Oui, c'est d'accord. Tu veux que je te suive? Eh ben allons-y, je te précède. Chemin. Mais enfin, on n'a pas idée de construire des trucs comme ça. Quoi non? Oh, tu penses peut-être que j'ai la fosse. J'ai la fosse. Il faut pas que ça soit. Allez, allons-y, mon vieux. Ah, oh, t'as t'étais pas rassuré. Ah, ça me console. Allez, viens, mon vieux rigolo. Allez. Après avoir longuement marché, ils débouchèrent finalement dans une étrange vallée. Oh, une ville morte. Oh, mon Dieu. Oh, ce que c'est beau. Oh, il avait raison, les prophètes.
Oh, c'est extraordinaire, c'est l'ancienne civilisation, rigolo. L'éprouvette avait raison pour ça. Mais en ce qui concerne leur fameuse boisson, permettez-moi de rigoler. Ils ne boivent que de l'eau. Ben, où sont-ils passés? Hey, oh, les rigolos, où êtes-vous? Ah, j'arrive pas à les comprendre. Tiens, encore un vestige. Oh, les voilà, tiens. Mais lutin, attends, mon papa, un mélo, un tombada, un colonel. Je ne savais pas que j'avais le fils du grand chef. Et il avait l'air bien content de me voir. Oui, oui, mes amis, votre chef m'a remis son provaca. J'apprécie cet honneur. Mais le but de ma mission est de retrouver le secret de votre son ancestral. Et là, vous l'avez perdu puisque vous êtes réduit à boire de l'eau. Oh, vous êtes bien gentil. Mais moi demain. Saturne son jour retour à Saint-Innocent haut en bas. À Saint-Innocent de Haut-Pas, où chacun suit avec intérêt ou passion les péripéties de la lutte intestine qui pose Amédée Collat, ancien maire et propriétaire de la société Lecoq, à Hubert de Grosso Modo, maire actuel et propriétaire de la source Lac. Mais aujourd'hui, la fête annuelle de Saint-Innocent, la patrouillette occupe tous les espaces et le maire en pour essayer d'embellir la ville. À l'occasion de la patrouille, le maire recommande aux commerçants de rajeunir boutique et à tous de fleurir la salle. L'administration faisant obligation à tous ceux qui envisagent la moindre initiative de déposer préalablement en mairie une demande de laisser-faire, les formalités d'obtention en seront grandement facilitées. Qu'on se le dise, le maire Hubert de Grosso Modo. Regardons ça. Pas à la fenêtre. Ah, pour les rats, ils sont tous là. Je me promène pas pour m'amuser, moi. C'est des cas, ce travail. C'est des cas. Dis donc, quoi que c'est qui raconte ton temps? J'ai pas bien saisi. J'ai couché, mais j'ai pas bien... Elle est sûre comme un pot. Et l'autre, elle avait toujours la pruche. J'ai pas bien saisi. J'ai bien écouté, mais j'ai pas bien... Non, bien entendu, d'abord, c'est tout de travers. J'ai bien écouté, mais j'avais ta bonne mine. C'est délicat, ce travail. S'écoute pas, ils peuvent pas prendre. C'est délicat. Il a tout entendu, celui-là, j'en suis sûr. Ben, c'en est un qui a fait son chemin. Mais pour s'avouer qu'il s'en occupe pas beaucoup. Du temps de son père, on l'appelait la lézarde. Non, Arsène, j'ai rien compris. Cette affaire de rajeunir l'EHPAD. À tous les impôts, on peut déjà pas y aller, alors. Y a pas pire sous celui qui veut pas entendre. Et puis, c'est des vieilles maisons, ça. C'est du solide, ça peut construire tout le temps après. Ça tient seul. Enfin, presque. Oui, je sens que ça vous tombe sur la tête. Vous feriez mieux de faire réparer. Ils veulent pas marcher avec leur temps, oui. Le maire épouse, mais il a du mal, moi aussi. Oh, j'ai un travail délicat. Et oui, je suis en quelque sorte son porte-parole. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ben, c'est délicat. C'est inon pour un bistrot. Ah, voilà, il a choisi son métier, lui. C'est merveilleux. Il n'est plus souvent à boire que tu fais boire les autres. Tu peux être pas entendu mon annonce, là. Si on coûte pas, je peux en faire mon travail correct. J'ai besoin d'un pub tentative. Tambour, c'est délicat. Si on m'écoute pas. Bonjour, Alphonse. C'est une bête qu'il a eu le maire, hein, c'est quelqu'un. Il n'a pas voulu dire grand-chose. Il serait bien content d'avoir du monde de jouer la ville. C'est cette option qui rend bien. On dit que ça coupe les jambes, ça y coupe pas l'aide toujours son coq. Et là, ils diront à Pékin qu'ils l'ont entendu. Et regardez-le donc, le colonel. Je crois toujours aux Dardanelles. La guerre des Dardanelles. Il était fort aux Dardanelles qu'au Yard. Bonjour, mon colonel. Il est plus fort, mais il parle des Dardanelles. Encore raté. Il a encore perdu une bataille. Alphonse, Saturne. Ah, je sais pas ce qui devient, le gros. Mon vieux Jean, c'est pop, toi, tu sais. Hubert, de grosso modo, ils sont pas à moi. Mes rapports sont des rapports rationnels. Je suis sans parole, c'est pas facile. Les gars, pas écouter. Ou alors, ils écoutent tout à l'envers. Le tambour, c'est délicat.
Et même quand ils me regardent, ben, ils ne m'écoutent pas. Non, les gens, c'est possible. Ils me font la seule conversation, les ex sont. Nous, c'est pas délicat, ils font c'est aniéré. Salut! À qui faut dresser pour le laisser faire. C'est idiot, parce que les gens écoutent pas. C'est délicat ce que je fais. À la mairie, à me papresserie, hein, non? S'il vous plaît, monsieur la paperasserie, si. Oui. C'est pourquoi? Eh ben voilà, monsieur. Ce serait pour un permis de faire, s'il vous plaît. Mais un permis de faire? Oui, mais quel genre de laisser faire? C'est pour refaire une digue. Il y a une lézarde. Rien faire d'une devanture Formule 1 de 57 ans. Mais alors, que dois-je faire? Voyons, remplis ces formulaires. Mais pourquoi rend-on l'âge de ma grand-mère et tirer son service militaire? Nul ne peut faire ou refaire si grand-mère ayant fait son service militaire. Dire qu'elle a fait son service militaire, elle était cantinière. Je me demande quel est le rapport entre le service militaire de ma grand-mère et ma boutique de gris. Enfin, c'est ridicule. Une histoire pareille. Mais enfin, voyons, ça n'a pas de sens, quoi. Oui, monsieur, c'est la loi. Article 9.8, Brumaire, 2.7.7.7. Allez, bon alors, tu sais. Si c'est pour une demande de laisser faire, dites-moi clairement de quel genre de laisser faire. Je voudrais repeindre mes volets roses et mes barres d'appui en noir. Formulaire bleu. Ah, très bien. Un triple. Dites-moi, voulez-vous connaître le prénom de ma belle? Ça n'a rien à voir avec mes volets roses et mes barres d'appui noir. Je vois très bien le rapport. Hein? Mais c'est la loi, monsieur. Attendez. C'est ridicule. Ma belle-mère pour l'autorisation de repeindre mes volets en rose. Voulez-vous vous servir? Qu'est-ce que quoi, vous? Laissez faire, convention, bien droit, moi. Je sais pas si c'est quel genre, hein, partez, laissons d'anciens combattants. Formulaire 418 bleu horizon, remplir 7 exemplaires et à faire signer par général commode de la région. Oui, votre le ministre des armées. Compris, oui. Ah oui, ben, bon, hein. Oh, ben, il faut s'y retrouver. Mais c'est pourquoi je suis. Ah, le fonctionnaire, oui, messieurs, c'est toujours et de base ce qu'il faut faire. Eh bien, fait, le fonctionnaire, messieurs, c'est le univers du Muller. Ah, c'est l'administration, c'est la législation qui répond à vos questions. Pour une maison, s'il vous plaît. Formule citron, oui. Pour un achat du lot. Allez, un grand bureau. Pour un élément. Pour le tigère, si vous montez. Et les faux, à ta seule formule tango. Bon, oui, fonctionnaire. Toujours à votre disposition, toujours correct, pour satisfaire aux besoins de la civilisation. À suivre les intérêts, répondez aux questions. S'il vous plaît, pour mon petit casse-chat, revenez demain, très le matin. Pour ma pension, c'est pas moi que j'ai demandé qu'on m'a encore abordé. Vous comprenez tout, c'est basique. Sans oublier une seule gueule, sinon gare, hein. Quoi? Votre matule, le fonctionnaire, Nous proches depuis l'âge berceau. Il faut s'y faire. Sans lui, ne seriez plus zéro, oui. Ah oui. Des hommes sans nul, zéro. Des hommes sans zélo. Des pères même pas d'un mot. Et c'est pour ça que tout le monde se peut bien chez nous, à l'innocence. Quant à moi, je ne fais appliquer les directives de l'administration. Mais oui. Si vous n'êtes pas con, moi je n'y peux rien. Vous voulez vous plaindre, et qu'à vous plaindre directement au maire. C'est lui, le maire. Vert de grosso modo, président directeur général de la source et maire d'un innocent. Sur le plan municipal, il a vaincu Amédella. Mais sur le plan commercial, le pop est mondialement connu, hors d'atteinte. Cependant, Hubert, le goût de la lutte, le goût qui lui vient directement de ses ancêtres, dont le premier, Gromodix, valeureux cognon de Vercingétorix, fut vaincu à Alésia. Ce permit à Arcadius Gromodius d'aller à Rome et d'y devenir consu. Ah, Rome, on rend un petit service par-ci, un petit service par-là, on attrape une particule, on devient seigneur... Et là, comme si les lacs, on est fille au milieu. Oui, silence, seigneur. On continue et tout naturellement, on pousse dans la magistrature, avec Aume de grosso modo, procureur du roi. Mais la comtesse s'installe dans la famille avec Charles. Elle milite avec Diderot, finit sur l'échafaud. La fille s'exile alors à la source du lac. On se heurte à Collade et Salé qui, mêlant les produits chimiques à Sceaux, lance le facoc. Mais Hubert hérite de la source du lac. Dynamique relève le défi des Collades, enlève la mairie et se prépare à délire l'Empire Coq. Alors, mon cher Ouvette, vous reçu enfin des nouvelles de Saturnin. Non, Hubert, je comprends. Il n'y avait rien encore au pied de ce matin. T'inquiétant. Moi, je suis inquiet. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Oh, vous que c'est Saturnin. Bah justement, aventureux comme il est, dans un inexploré aussi sauf que le Rhône, on ne sait jamais ce qui peut se passer, voyons. Allons, pas de découvrement en éprouvette, de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai découvert sérum de vérité. Sérum de vérité? Peut-on le vendre dans le commerce? Mais non, ça ferait des catastrophes. Je nourris cette fleur avec mon sérum. Et que des dites gros mensonges. Un mensonge? Je ne suis pas le maire de Saint-Innocent. Vous voyez, au moindre mensonge, elle rougit comme une jeune fille. Amusant, hein, Hubert? Très amusant. Mais dans le...
Allons, notre problème pas de trouver une fleur, détecter le mensonge, mais de furencer le coq. Ah, peut-être mon attaché de presse a-t-il des nouvelles. Ma chère amie, rien de nouveau au sujet de Saturne? Eh bien non, monsieur le président directeur, j'ai parcouru toute la presse étrangère ce matin et rien. Inquiétant. Ah, très inquiétant. Campagne publicitaire est prête, il n'y a plus que la formule de la fabrication des rigolos. Me tue. Vous avez raison, monsieur le président général, compte sur ma discrétion. Moi, c'est bouche cousue au sujet des Indiens rigolos. Eh, quand on ne sait pas, on ne s'inquiète. Mais le coq s'inquiète. Depuis quelque temps déjà, Abebala a installé, à 900 même, un agent de la CDBI, Confédération Barbouze Industrielle. Et rapport de l'agent Belette, beaucoup de points d'interrogation, et laisse présager une crise possible. Pourquoi l'air a-t-il financé le vol saturnin dans cette mystérieuse orbe? Pourquoi l'éprouvette passe-t-il les jours et ses nuits au laboratoire? Pourquoi prépare-t-on une paille publicitaire? L'agent de Saturnin, enfant du pays et roulis du journalisme, est particulièrement amédé. Qui ce soir a-t-il réuni son conseil d'administration? Mais le colonel ne croit pas aux... mais non, mon cher ami Décola, je ne crois pas à ce bord défaitiste. Vous occupez une position inexpugnable. Il n'y a pas un seul pays où l'on ne boive le coq. Oui, bien sûr, évidemment, ça, c'est évident. Ah. Permettez, colonel, vous nous avez déjà eu ce raisonnement aux dernières élections, et nous avons perdu... Eh bien, Ferrari, le problème, Ferrari, je suis de l'avis du colonel, les rapports de notre agent ne sont pas particulièrement calards. Mais non, voyons. Je tenais à vous mettre en... Et vous avez eu raison, Amédée. Grosso modo, est un homme dynamique. Donc dangereux, un homme petit en vaut deux. D'abord, madame, je vous assure qu'actuellement, grosso modo, est entièrement pris par la pouillette. Bien sûr, mais ça n'empêche pas notre président de continuer à recevoir l'effort de son espion si l'amuse. Mais je vous remercie de vos conseils. Et que vive le coq. Comme vous me l'aviez demandé. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais j'étais toute la nuit à travailler pour vous. Donc, comme vous me l'aviez demandé, j'ai réussi à m'introduire dans le rôle de l'attaché de presse. Dubitablement, il prépare une campagne au mystère. Ils attendent Saturnin. Ah oui? On ne voit pas le rapport, Saturnin aime nous le boisson. Très belette, continuez la surveillance et que vive le coq. Hello, Emily, on promène le petit. Hello, monsieur Cassidy, ça va? Oh, ça va, ça vient. J'ai donc petit, le temps va changer. Comme on dit chez nous en Angleterre, quand le temps change, la jambe démange, n'est-il pas vrai? Oh, si, bon, c'est un vrai baromètre. Ah, les rhumatismes, et vous croyez qu'ils en tiennent compte pour ma pension? Mais pourquoi ne viendriez pas parler à monsieur le maire? Oh. Il est right. Vous êtes raison, faudra que j'aille lui en quand Saturnin sera revenu. Faites-vous, j'avais des nouvelles, hein? Non, et monsieur grosso modo très inquiet. Goodbye. Goodbye. Il n'a pas mal à sa jointure, c'est l'heure de la soupe, comme vous dites. Tout le monde va bien, monsieur de grosso modo? Oh, yes. Monsieur Saturnin, vous avez de bonnes ailes? Oh, salapio, goodbye. Au revoir. Un moyen de savoir. Si seulement je veux savoir ce que fait l'éproute dans son laboratoire, il passe toutes ses nuits. La fumée est bien, oui. Oui, pas cette voie. Allez, salut. Oh, il m'énerve de là. Un fou du volant. Oh, c'est Saturnin. Ouf, oh, je suis arrivé. 15 km de route, c'est dur pour un artiste. Oui. Oh, ben mon vieux, après, ça, ça fait drôlement du bien de trouver chez toi à Saint-Innocent de haut en bas. Maintenant qu'il est là, on a déjà eu des chances. Oh, par exemple, monsieur Dottin. Salut Albert, c'est libre dans son laboratoire. Hein. Oui, bon, oui. J'y vais. S'agir, c'est un... pas encore de nouvelles aujourd'hui. Il est pas sérieux. Il va revenir. Je vais lui dire ce que je pense de lui. Ah non, vraiment, il s'agit. Coucou, les promettes. Oh, c'est toujours le même Capharnaüm au laboratoire. Attention, oh, on arrive, je prends un rhume. Les promettes, les bêtes. Tiens, dis des fleurs maintenant, les bêtes. Oh. Rien, là, je ne répondrai pas. Vous avez géré à la fin. Oh, les promettes, mon vieux. Oh, qu'est-ce que je suis heureux de voir. Tu dis, ça va être... Rien, pour les temps. Si tu as que je vais me laisser prendre à tes démonstrations d'amitié, oh, mais non, t'as trop usagé, aussi. Oh, Bagno, oh, Bagno, tout le monde travaillait, hein, pendant que je suis parti. Et t'as trouvé quelque chose? Oh, l'éprouvette? Oh, serais-tu devenu sourd pour l'absence? Ou est-ce tellement changé en trois? Et moi, Saturnin? Allez, l'éprouvette, quoi. Oh, oui, je sais bien, je t'ai pas beaucoup de mes nouvelles. Mais est-ce que tu crois qu'il y a des facteurs chez l'Indien rigolo, dit... Parce que tu les appelles les Indiens rigolos? Oui. Oh, tu en as mon vieux copain. Ah, mais parfaitement. Ton trou de recherche épuisante, Ronny, et reçu en sauveur, tribu des rigolos. Sauver, ça, tu auras retrouvé les rigolos et leur fameuse boîte. Hein? Ah, les rigolos, oui, mais leur boisson, ils ne peuvent que de l'eau, hein. Ne plaisante pas, va te mettre devant ma fleur, là-bas. Je veux savoir si tu guéris.
Oh ben, oh, il est timide. Qui rougit quand on lui dit des mensonges. Quelle belle mention. Mademoiselle Laflamme, je n'ai jamais été chez les rigolos. Oh ben. Ah, tu vois, impossible de dire mensonge devant ma fleur. Cesse de plaisanter et donne la formule de la boisson rigolo. Oh, mais enfin, puisque je te dis que je l'ai pas trouvé, tu vas voir. Mademoiselle Lafleur, j'ai trouvé la fameuse boisson rigolo, tu vas voir. Oh, c'est pas possible, malheur. Enfin, tu es convaincu maintenant, hein? Hélas. Oh, faut te faire une raison, mon vieux. Les amis rigolos, je les ai rencontrés, mais ils ne boivent que de l'eau. Tu comprends, je te dis, de l'eau. Tu es sûr de ce que tu inventes? Qu'est-ce qu'il va dire quand tu vas apprendre ça? Il comptait sur toi. C'est une catastrophe. Non, mais non, pour te changer les idées, regarde un peu ce qu'ils m'ont donné, les rigolos. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ah bon, ce que c'est? Mais c'est une réduction d'un mammifère yo qui a disparu entièrement. Ah, regarde. Tu te souviens du professeur Popov? Il fait une thèse sur ce mammifère. Ah, bof, bah tu penses, mon chien, un blond avec des grosses lèvres. Il faut absolument que je téléphone cette nouvelle. Oh, bah dis donc, il va être moins content, alors. Tu en as, sais-tu à quoi j'ai rien pensé? Non, te connaissant comme je te connais, sûrement le savoir. Il semble que le professeur Popov soutenait dans sa thèse que le lion était un mammifère genre mammouth. Et qu'il nourrissait ses petits. Bah, continuez. Grâce à des mamelles fournissant un liquide ayant des propriétés extraordinaires. Là, c'est rigolo, mais comme il n'y a plus, ils boivent de l'eau. Allez, c'est un peu sérieux, mais il faut aller prendre Hubert, tu viens. Oui, j'arrive. Je suis le plus beau et le plus intelligent de Tinosan. Alors tu viens, Fidin. Ça va. Oh, hé, moi ta fleur, devine le gros mensonge que je viens de lui lire. Saturnin raconta donc à Hubert son aventure et ses mésaventures. Il dit ses recherches vaines, son découragement, puis le prince qui devait finalement l'amener chez les derniers indiens rigolos. Qu'il plaisanta l'éprouvette sur l'existence de la fameuse boisson qui est tout simplement de l'eau. Ina veritas l'éprouvette, mais il fallait tout reprendre à zéro. Au savant chimiste l'éprouvette de trouver la forme choc capable d'abattre le coq. On dista fort tard la nuit. Hubert conseilla aux deux amis de n'entendre les recherches après une petite balade de décontion en forêt. Qu'est-ce que c'est que le bas de combat? Ah, oh, ça marche ce qu'ils mijotent. Ils s'en vont. Ah, où peut-il aller? Ils vont vite qui le suit. Oh, ça doit être important. Ils ont pris la route de l'étain. Oh, si je connais leur plan, je n'ai pas moyen de les perdre de vue. Je vais les filer. C'est agréable de se retrouver dans une belle campagne verdoyante quand on vient de passer trois mois en Oronie. Aïe! Oh, c'est agréable de tomber ici. Il n'y a pas de salvettes. Mais là-bas, mon vieux, il y a des petits poissons, les ranas. Et si t'as le malheur de tremper dans l'eau, ils sont là. Ils t'avalent le bras tout entier. Ici, on en trouve des petits ranas. Mais ils sont gentils, inoffensifs. Tandis pas, mon vieux. Oh, vraiment, les pires ranas que je connais. Ah, j'aurais bien voulu te voir les pêcher, les pires ranas. Ouais. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose, t'en aurais pris plus qu'ici. Comment veux-tu que j'aie un poisson avec un olubrius qui parle tout le temps? Tu pourrais pas arrêter de parler un peu? Oh, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime ça parler, ça me détend, et quand je parle, je m'ennuie. Et moi, quand je t'ai, je respire. Ah oh, bon. Évidemment, mais faut être pêcheux pour comprendre ça. Quel apport utilisé? Roquefort, brie, sauce tomate, mélangé par moitié avec du son bien frais. Pas mal, pas mal, mais essayez donc le yaourt. Oh, ben, en fait, ben, vous êtes plus fort que moi. Moi, je le touche. C'est l'ingrosion. Oh! Un gueule vorace, pardi, avec ton roquefort, il a trouvé son propriétaire. Idiot. Ah bon? Je me suis. Les prouvettes ne comprennent jamais la plaisanterie. Ça, c'est un métier. Oh, si j'avais le temps, ça me ferait du bien. Oui. Allons-y. 40 sous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un de blessé?
Paul. Ah, Jonas. On aurait dit Belette. C'est pas toujours dimanche, ping pong et coq-coq-cron. La vie retrouve dimanche, ping pong et coq-coq-cron. Tout le monde n'a pas une voix de ténor comme si on a. Tu viens les promettre là. Arrêtez cette sacrée machine. Il est mal avec sa machine. Oh. Sinon... C'est quoi ton annonce? C'est du bruit après 22 heures. Sinon, c'est pas du bruit. Après 22 heures, ils sont jamais prêts. Ils veulent pas d'être machine. Non, mais s'ils ne me font pas de travaux, ils... Il fait mal de rajeunir face à dire, ben 30, il n'y a pas touché à cette maison. Pour dire, il est là, mais pour penser, ça, c'est autre chose, c'est autre chose. Ça n'a pas été facile de manger les ouvriers. J'arrivais pas à se décider à ça. Alors moi, j'ai pas que mes clients. Il dit n'importe quoi. C'est bien du travail. Il y en a toujours. Mais c'est l'argent qui manque. C'est l'argent. Il y a longtemps que ça aurait été. Qui sait pas malheureux dans sa vie. Qui sait pas faire de ces choux qu'il a mangé comme ça. Oui, mais c'est pas tout ça. Mais ne travaille pas. Ah là là. Puis il y a les impôts. Le maire en petit des impôts. Toujours les mêmes renettes. Cinq. Cinq. Ils se plaignent toujours. S'il en avait aussi peu que moi d'argent, ben ils auraient bien coiffé. Tu vas voir ce qu'il va en penser de mon annonce. Alors, t'es quoi, Alphonse, hein? Plus de bruit après 22 heures. Mais j'ai pas de mine, hein? Qu'est-ce que ça fait de moi de bruit après 22 heures? Mais client, alors, j'en peux plus détendre. Il a des dents, la même détente qu'il a. Alphonse, veux-tu t'arrêter boire? Tu dis pas. Mais si tu veux que je travaille, le travail serait plus vite. Eh ben. Oh, le malhonnête. C'est pas une vie, pas une vie. Oh là là. Je t'en prie, la belle-mère, est-ce qu'il comprend que mon travail de bien? Si il vivait moins et moins à Caillard, il a la manie de la persique à pas à dire. La coiffeuse, voilà ce qu'il faudrait. Saturnin! Quoi donc? Je sais quand il est rentré, Saturnin, mais je suis pas confié ce qu'il avait rapporté, ça, j'en sais rien. On sait pas, toi. Venga. Et puis j'ai quelque chose, hein, j'y dirai pas. Salut! Salut! C'est délicat ce que je fais avec ça, c'est délicat. Oh, ils sont jour et nuit dans ce laboratoire. Je me demande bien ce manigance. Le seul moyen, c'est de les voir. J'irai ce soir. Ah. Mon Dieu, c'est dur de passer des nuits comme ça. Oui. T'as pas béni. Ah ben les poètes, la boisson que tu essaies de fabriquer, ça attire l'amour. C'est peut-être bon signe, hein? Ah, mais tais-toi donc. Bon, Saturnin. Parle tout le temps, comment veux-tu que je le fasse? Bon, excuse-moi, je le fais quoi? Trois cuillères de mon cerne de vérité.
18 gouttes de nitroglycérine. À propos, j'ai écrit son papa au sujet du vaccin. Moi, ma téléphonie, 4 kilos de vitamine B12, 6 litres de phénol, 35. M'énerve cette mouche. C'est rigolo, hein, viens, ce... Ah, attends, la réaction commence. Bon, il s'avire au rouge, c'est égal. Oh, les pouvettes, ça marche. Je comprends, j'en étais sûr. J'ai utilisé le pouvoir dynamique de la nitroglycérine lié à l'effet tard de ma vitamine suractivée 14, plus pouvoir euphorisant énergétique de sérum de vérité. Tu vas voir, ça va me une boisson délicieuse et en même temps fortifiante, capable de réveiller un. Ça va concurrencer le coq mieux que la boisson des rigolos. Mais je crois que c'est l'effet à nigre suractivé du fait 14. Mais où est-ce qu'elle va encore, cette mouche? Mais tu m'étonnes. Tu comprends, d'après Popov, les Gaulois avaient une civilisation très avancée. Ils possédaient le secret de la réduction atomique des cellules vivantes. Ah. Et le vaca que tu m'as ramené serait les fameuses réductions. Ah, ça te sent. Oh, tiens, oh, regarde la mouche. Mais ça a l'air de lui plaire, ton kid. Mais regarde, et ta boisson, mon vieux. Mais laisse mouche tranquille. Ah, si bon. On réussit à réhydrater le vaca avec un certain liquide, on fera revivre ce mammifère préhistorique. Oh, le vêtre, regarde la mouche. Hein, quoi, la mouche? Tu te rends pas compte, mais aussi, elle a vu ton truc et elle a grossi. Mais si, moi, les beaux, j'ai trouvé le liquide capable de résoudre le vaca qu'elle lance, cette grossi. Mais regarde, donc, pauvre vêtre, cesse de rêver. La mouche grossit toujours. Mais depuis qu'elle a vu ton truc. Oh, elle m'hypnotise, Saturnin. Bouge pas, les pauvres, bouge pas, sinon elle va aller dessus. Oh, elle grossit encore de plus. Voilà, ça s'agit pas de faire une fausse manœuvre. Surtout pour les prouvettes. Oh, pas bien. Ah, heureusement que j'ai mon arme secrète. Ah, tu crois que tu me fais peur? Tiens, la souvenir sur main. Ça y est, je l'ai eu. Un vrai monstre. Ah, Saturnin, si tu m'as sauvé la vie. Oh, mon vieux, les prouvettes. Là, quand tu trouves quelque chose, c'est toujours sans salaire. Tu vois cette boisson-là, on peut dire qu'elle est fortifiante. J'arrive bien, ils ont tout quelque chose. Alors, sois pas modeste, le coq à côté, c'est de la petite bine. J'ai dû doser un peu trop. Allez, viens, va. Mais pour une réussite, c'est une réussite. Allez, allez, tu viens. Oui, je viens, je l'ai comme ça. Il n'y a pas de l'heure ici. Oh, tu vois, il n'y a pas de l'heure ici, voyons. Oh, zut, j'ai oublié l'allumette. Ah, elles sont là. Voilà leur fameux champion. Je vais l'emporter à mes forts analysés. Allons-y. Zut, une panne. Faut que j'aille chez le chauffage de secours, sinon mes bains vont refroidir. Raté, pas le moment de rester là. Ça y est, les prouvettes, c'est revenu. Allez, tu viens. Allez, allons-y. Mais le dessin veillait. À moins que ce soit le hasard, il faut bien qu'il intervienne pour faire avancer les choses. Sans son intervention, Jacques Premier Poisson n'aurait sorti la tête de l'eau, et nous en serions encore à espérer au fond des océans. À Saint-Innocent, on ne se doute encore de rien. Tout est calme, repos. Amédée Colas rêve qu'il règne sur Pierre du Coq, et prisonnier son ennemi Hubert. Hubert rêve qu'il remet l'empereur. Sa nouvelle boîte est un nectar des dieux, et le monde entier reconnaît son génie. Pouvette est épuisé. Une énorme mouche le poursuit, empêchant de vérifier ses calculs. Chaque fois qu'il pose un zéro, la mouche chasse la patte et trans ce zéro bien moulé en un magnifique œuf qui se met à danser. Impossible de compter. Saturnin rêve aussi. Un énorme vaca s'approche de lui et tendrement l'embrasse. C'est le début d'une amitié. Belette prend pour James Bond. Partir et verse sa table de nu. Il rêve. Rien n'empêchera jamais le jour de buller la nuit, ni le rire de réveiller la personne. Pour bien conserver sentier, prétend toujours, faut le garder de coq. Mais ce qu'il dit jamais, c'est qu'il boit d'abord le coq avant de mettre ses dents. Oh, Arsène savait ça. Attends, monsieur Patrick, j'ai peut-être trouvé trop vitamine B14 à la nitroglycérine. Ce qui rajoutait à l'effet stupéfiant mon sérum de vérité. Ah ah, ça monte. Au moment où ça faisait tomber l'arbre, je suis en arrière et tombe dans la tomie. Aïe, ma tête. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hey. Hein?
l'attentat. On a fait son labo. Oh, je me demande crier comme ça, oui. Mais qu'est-ce que ça? Oh non, d'une pipe, c'est extraordinaire, ça vient du labo. Oh! Oh, je veux bien être changé en splate si c'est pas le petit vaca que j'ai rapporté. Mais c'est bien le petit vaca que j'ai rapporté d'Ornie, hein? Oh, j'y comprends rien. J'ai rapporté une breloque et je retrouve un monument. Oh, voilà les petits. Qui a repris ça dans mal, j'y crois absolument. Qu'est-ce qui peut se passer? Oh, hey, gros malin, c'est ta fameuse boîte en portante. Bah, c'est pas drôle. Mais il a dû tomber. On m'énerve, il faut que tu te sautes. Attends, j'y vais. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer là? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ma parole, c'est un monstre. Il est vivant. Mais qu'est-ce qu'il va vouloir en faire? Mais c'est trop mieux. Oh, bah, t'en aides, ouais, tu vois bien ma fille, hein? Oh, pensez-vous, permis. Oh. Ça vaut pas une bonne machinerie comme votre tracteur. Bien sûr, on a l'impression que ça file. Et puis ça va pas plus chez le garagiste, ça met de pièces de rechange. Oh, mais si je fais autant de publicité, t'as raison, j'en vendrai, moi, du coton. Bien sûr, d'autant plus que vos cochons, oh, bah, ils perdent pas leur arrière. Ah, il est venu vous voir parce qu'il y a un problème. Un problème? Oui, un problème, moi, j'ai jamais été bien foutu. Il y a l'école qui m'intéresse, c'était la géographie. Juste au Mercourir, vous connaissez Ronnie? Oh, je pense bien où qu'il y a des l'eau, hein? Oui, oui, c'est ça. Je vous veniez voir un drôle de mammifère qui rapportait de là-bas. Oh, ben, ma vie de l'eau, elle a sa position. Juste au Mercourir, on sait pas quoi lui demander. Je l'ai jamais débuté. Ah, ben, bon, il y a qu'à lui demander. Et quoi que tu veux manger? Du fond. Ah, t'es quoi que tu veux? Oh, j'ai jamais pensé à ça. C'est formidable, Pierre. Mais il va falloir une énorme quantité de foin, hein? Oui, alors, pour ce qui est du foin, je peux mettre pané, j'en ai plein renié. Mais faudrait causer un peu de prix, parce que. Oui. Oh, Hubert, il pourra bien payer ça, lui, les riches. À mon avis, il n'y a lieu de s'inquiéter, monsieur le directeur. Il en donne certainement lutte contre le coq, puisqu'il monte un zoo. Une idée de ce farfelu de Saturnin. Mais genre vigilante. C'est ça, vigilance. Il a bossé intéressé, rien qui s'y intéresse comme tout le monde. Oh, le pas de sa publicité. C'est pas de la publicité, c'est du reportage. Les journalistes et tous des témoins oculaires. Oh, je crois pas. Il était où? Le blanc aveugle. Messieurs, s'il vous plaît, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est couper court aux rumeurs absurdes qui circulent à travers le monde en général, et dans notre petite ville en particulier. Il n'est absolument pas question de faire un zoo. Le problème se situe sur un plan d'intérêt bien supérieur. Pourriez-vous nous préciser s'il s'agit d'intérêt touristique, scientifique ou militaire? Monsieur, ce soir, le Sir Papa vous donnera tous éclaircissements utiles à ce sujet dans sa conférence télévisée de 20h30. Je vous remercie. Très bien. Ce soir, de France. Mais de toute façon, Amédée, si Montano, nous ouvrirons un débit de coq pour les visiteurs. Mais également, il n'aura pas s'il vous plaît, messieurs, l'émission commence. Mesdames et messieurs. Vous allez entendre maintenant une importante communication du professeur Popov de l'Académie. Spécial en paléontologie, le professeur Popov vous parle du vaca. Ah, c'est bien. Ne discutons pas de cette fixée une fois pour toutes. Tout d'abord, mesdames, messieurs, pour être clair, n'est-ce pas, je voudrais rappeler que le vaca-vaca est un fer, n'est-ce pas, qui a disparu de notre globe depuis des millénaires. Or, la petite ville de Saint-Innocent-de-Tomba, n'est-ce pas, possède à l'heure actuelle un vaca-vaca vivant. Trouvé par qui? Un concours de circonstances. Tout d'abord, le jeune explorateur Sadner apporte d'oro une réduction du vaca-vaca. Ensuite, mon confrère Prouvette, en cherchant une formule de superortifiant, provoque involontairement le retour à la vie du vaca-vaca. Vous pouvez constater l'énorme de cet animal, n'est-ce pas, par rapport aux dents mécaniques. Les premières analyses de ce liquide ont un coefficient de nutrition très élevé, un pouvoir désaltérant énorme. À mon avis, nous ne sommes pas sous de surprise, n'est-ce pas? Sûr, n'est-ce pas? Devant l'importance de cette découverte, le gouvernement, par ma voix, vous tiendra au courant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vais-je devenir? Ce malheur qui... Allons, ne vous laissez pas à part. Allons, mon colonel, vous savez bien que perdre une bataille n'est pas perdre la guerre. Que voulez-vous faire? Établir un plan afin de passer à la contre-attaque. Ah, bien sûr, oui. Mais sur quel terrain? Légalement, nous ne pouvons rien faire. Évident qu'un accident peut toujours arriver. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'en pensez-vous m'aider? Vous pouvez compter sur moi, monsieur le directeur. Carte bouche et que vive le coq. Mmh.
verra, tout semble fonctionner. Ah, nous serons prêts pour l'inauguration. J'aime bien ça. Oui, mais oui, mais oui, moi aussi, si c'était curieux, il s'est pris une amitié pour moi. Hein. C'est juste des gens de la tête. Oh, j'y vais pas, mon Dieu, c'est toujours la même arrivée qui se coince. Oh, tiens, l'éprouvette prend des difficultés avec le branchement de ses tuyaux. Quelle éprouvette? Ah, c'est toujours l'arrivée tuyau numéro 4 qui se coince. Regarde donc un peu au-dessous, si tu peux pas débloquer la vanne numéro 4. Asseyez. Merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Ah, le savon, il est fort, mais comme briquet, il n'est pas très doué. Bonjour, monsieur Saturne. Ah, bonjour, ça va? On peut pas dire que ça soit un métier fatigant. Suffit de faire attention à pour ce coince pas. Et comme dit le père Croumille, si ta porte se coince, la botte sort pas, le vaca mange plus, et c'est pas bon pour la production. Oh, bien. Inquiet ce soir, et ce soleil qui rôderait dans le secteur, ça ne m'étonnerait pas. Hein? Dis, hein? Depuis que je l'ai vu, oh ben, l'autre jour, là, chez les bûcherons, hein? Je méfie. C'est pourquoi j'ai préféré venir te tenir compagnie ce soir, c'est con, mon vieux vaca. Hein? Dis. T'aimes bien, Saturnin. Commence pas, hein? Dis donc. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, où elle est allée? Elle ne sait pas où elle met les pieds, là. Tu vas voir ce qui va lui. Oh, j'ai déjà voir ça de près. Au secours! Au secours! Oh, attrapé! Oh, Belette va te laver! Monsieur le directeur, vous vous rendez compte de me faire ça à moi? Oh, je peux tout pardonner ça. Jamais, jamais, j'en fais une affaire tonnelle. Je vous propose de fabriquer un charpie pour le carnaval et devant la tribune officielle. Bam! Tout ça, l'usine, le vaca turnin. Oh, toutes ces histoires, mon malade. Oh, mais avec vous, pour que vit le coq. Messieurs, je vous annonce officiellement le lancement de notre nouveau produit. Ah, très bien. Comment se fera ce nouveau produit, monsieur, s'il te plaît? Pour rester fidèle aux traditions qui régissent notre dynamique société La Source du Lac, monsieur de Grosso Moto a l'idée de baptiser la nouvelle passion le Vacalac. Et comme l'indique notre nouvelle devise, le moment est venu de voir. Mais tandis que la campagne publicitaire fait rage, que chacun coup nouveau produit, dans la vie remise du coq, se mijent d'étranges choses. Trois nuits que je travaille sur le char, mais ne vous inquiétez pas. Tout sera prêt, Belette? Mais oui, patron, vous pouvez me faire confiance, allez, après tout ce qu'ils m'ont fait. Vous pouvez être tranquille, oui. Et pour le produit qui fait du bruit? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Je me suis procuré un vieux char d'assaut qui protégera du bruit. Eh bien, moi, vous voulez que je vous dise, depuis que j'en ai bu du Vacalac, comment je me sens capable de transporter des montagnes? Oh, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que ça te fait à toi? Je n'ose pas jouer. Mais le Vacalac m'a rendu gourmand. Mon cher, les effets du Vacalac sont surprenants. Personnellement, je constate que mon élocution est devenue époustouflante. Dis, mon cher professeur, que vous aviez déjà une élocution facile. Oui, ce qui est extraordinaire dans ce produit, c'est qu'il développe humainement les qualités positives de chaque individu en inhibant ses instincts négatifs. Je comprends pourquoi le gouvernement s'intéresse à nous. Bien sûr. Mais oui, mais il n'y a pas que le gouvernement qui est intéressé à nous. Croyez-moi, chez Amédée Colas, ça doit phosphorer dur pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Possible. Surtout avec Belette dans les parages. Il a mis l'affiche.
Ah, dis donc, depuis que j'ai réussi à y faire par surprise, à la place de son coq, un bon coup de bacala qui est transformé. Il a toujours la même capacité d'absorption, mais il est changé du tout autour de ça. Si j'avais eu un doute sur le bacala, il m'aurait convaincu. Tu m'en contre le maire, la douceur même, c'est inimaginable. Ah, faudrait que tu fasses tout de suite à la vaisselle. Oui, ma chérie. Incroyable ça, alors j'arrive pas à m'y habiter. C'est le jour et nuit. Dis donc, Alphonse, faudrait tout de même pas exagérer, mais fie-toi, tu vas devenir trop bon. Tu connais l'expression, trop bête. Il n'y a qu'une ce que le bacala qui n'a pas donné, c'est la modération. Le colonel a encore gagné. Lui aussi, le bacalac, ça l'a bouleversé. Au Dardanelle, il n'en avait pourtant pas du bacalac. Je crois que s'il en avait bu à l'époque, il serait au moins général. Encore, Monel, c'est mieux qu'au Dardanelle. Mais, même si monde, il ne reste que deux irréductibles, Belette et Amédée Colas ont décidé d'être ces deux-là. Mais où sont les autres? Ils m'ont tous abandonné. Oh, je m'en doutais. Ces gens-là heureux. Et voici le professeur Pop. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Absolument délicieux. Comme je le supposais, les effets secondaires de cette merveilleuse boisson sont extraordinaires et totalement imprévus. Je n'aurai qu'un exemple qui les illustre tous. Après avoir parachuté des rations individuelles de vagues sur deux armées ennemies en présence, les soldats, après absorption, ont laissé tomber le fusil pour se mettre immédiatement à jouer à percher. Et les généraux, après cette embarque, ont entamé une monstrueuse partie de pelote pour régler le conflit. Oh, je suis encore tout ému. Parce que si le monde entier se met au bacala, quelle baisse sur la terre, mes chers amis. Avis, l'inauguration officielle complexe industriel Bacalac aura lieu à l'occasion de la patrouillette. Bacalac d'honneur sera offert à l'issue du grand défilé. Conseil. Cette fois, j'ai de la valise. C'est délicat, mais le bacalac, mon vieux, le bacalac. Ils sont heureux, ils le cherchent, ils les attendent, ils sont tous chez moi avec Topi. Je vais voir un peu ce qui se passe par là. Faites pas, Saturnin, je surveille le coin. Oui. Et je te promets de ne pas me couper. Bon. Faut ici. Avec Belette, on sait jamais. Tout est éteint chez eux. Oh, se cacher quelque chose, ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien être en train de noter? Faudrait pas que je fasse repérer. Y'a personne, non? Bon. Ça va. Allons voir un peu plus loin, en faisant le tour à tes deux maisons. Moi, j'avais plus un char. Oh, c'est surprenant celui-là. On attend, j'étouffe-moi là-dedans. Oh, oh là. Oh, il m'énerve. Je me demande si on ferait pas mieux. Va suivre celui-là. Vous croyez pas qu'on pourrait? Thank you.
Mesdames et messieurs, je vous présente mon char, Rovina de la campagne. Bravo. C'est charmant, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Oui, et comme je vous le disais, le président s'intéresse fort à la production du vac à lac, car au point de vue de sa politique étrangère, le vac à lac le met dans une position de force sur le plan mondial. Monsieur le ministre, je vous présente Souvenir des rigolos d'Oroni. Ah, ce sont les deux héros du jour. Mais oui, parfaitement. Bravo, 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 bravo. T'as vu un papillon qui est sorti de ce machin? Ah, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils n'arrivent pas. Ah, pourvu que Belette, j'ai pas imaginé autre chose. On prend l'éprouvette. Au lieu d'exploser, la bombe doit se retourner et se transformer en montgolfière. Et voici mon char, elle est contestation. Bravo, bravo, bravo! Ah, j'espère qu'elle n'a pas vérifié avant de partir. Oh, les voilà. Oh, oh, ce qu'on est mal placé. Oh. Oh, qu'est-ce qu'on est mal placé. Oh. T'as vu les prouvettes? Ils doutent de rien. Tu vas voir ce feu d'artifice. Bien qui rira le dernier. Oh, pourvu que Saturnin ne se soit pas trompé. Mais que passe-t-il? Je crois que nous décollons. Non, 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 je descends. J'ai mal au cœur. Au secours. Belette, Amédée. J'ai placé un petit livre sous votre siège. Trois semaines en ballon. Pitié, non. Cette Saturnin va mourir de faim. Pitié. Oh, mais non, j'ai prévu ça. J'ai mis une nourrice de vac à lac dans la tête de la tortue. Vous serez bien forcé d'en voir. Ouais. Débarrassé de ces deux entêtés, la civilisation du vac à lac put s'installer définitivement. Et la paix régna enfin.